Bonjour à tous. Bonjour à J'espère tous. Que vous allez bien. Bien. Mais écoutez, on vous revient donc pour une troisième petite vidéo à la suite. Alors j'espère que, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit dans les deux autres vidéos, j'espère que le son est bien parce que là on a testé avec le nouveau micro, vous savez que j'ai eu grâce à Amazon et à Influence for Brands, ça y est je vais y arriver. Et troisième vidéo, ça commence à... donc j'espère que le son est mieux, que vous entendez bien, qu'il n'y a pas trop de son aux alentours. Enfin, là on est dans la chambre, donc logiquement il n'y a pas trop. Mais que vous nous entendez bien. Donc c'est une vidéo dont je tenais à faire quand même cette petite vidéo. Il n'y a pas extrêmement de choses, mais parce que je voulais vous parler du site Give, G-E-E-V. Que vous pouvez avoir en application donc sur votre smartphone. Donc c'est un site où vous vous inscrivez et après en fait vous avez ça vous montre tous les dons que vous pouvez avoir aux alentours. Donc vous réglez entre guillemets la distance que vous voulez pour voir les dons qu'il y a aux alentours. Et suivant les régions, c'est vrai qu'il y a plus ou moins de choses à donner. Mais des fois, voilà, ça peut être très très intéressant. Et là, notamment, il y a une dame qui donnait des peluches Hello Kitty. Vous savez qu'elle adore Hello Kitty. Et un lapin. Ah oui, il y a le lapin, oui. Donc du coup, dans ces cas-là, c'est un système de bananes. Donc au début, vous avez une banane donc pour pouvoir communiquer avec... la personne qui donne quelque chose, il vous faut donc utiliser une banane, donc ce qui permet que les dons ne vont pas forcément toujours à la même personne parce que la banane se remet au bout de 9 heures, donc ça veut dire que pendant ce temps il y a des gens qui mettent des choses et que du coup les personnes, si elles ont qu'une ou deux bananes suivant les points, parce que là aussi je vais vous expliquer, ne puisse pas forcément tout prendre d'un coup à tout le monde et que les autres n'aient rien. Voilà, voilà. Vous pouvez trouver de tout, des peluches. Enfin, ça dépend, les gens, des fois, c'est juste des bons de réduction que les personnes donnent. D'autres, c'est des peluches, des meubles. Vous pouvez vraiment trouver de tout et je trouve que c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai qu'il y a des fois un système, on ne reçoit pas forcément les notifications de suite pour les... pour ceux qui donnent, et du coup, y a des personnes, suivant si on n'a pas forcément la banane de suite, qui nous passent devant. Alors c'est vrai que ce système-là, il faudrait peut-être qu'il l'arrange un petit peu, mais à côté de ça, voilà, je me dis que si on n'a pas on n'a pas une fois un don, eh bien, on attend, on aura peut-être, après tout c'est un don, hein, c'est pas comme si c'était une vente qui nous passait sous le nez. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Moi, il y en a deux, trois qui me sont passés sous le nez. J'ai un peu râlé sur le moment, mais bon, après, je dis que voilà, après tout, c'est la vie. Ce ne sont que des dons. Ça sera pour une prochaine fois. Donc là, c'était une dame qui habitait là où habitent mes parents, pas, vraiment pas très loin. Donc du coup, ça tombait très bien. Un jour, je lui ai dit, on s'est donné rendez-vous. Et donc, elle m'a donné plein de petites choses. Que d'ailleurs elle a même rajouté, après elle m'a dit, oh j'ai fait du tri, j'ai trouvé autre chose. Donc bon, bref. Tout d'abord, donc noir. Une petite Hello Kitty noire qui vient apparemment de Mac Hello Kitty. Voilà, vous voyez. Donc elle avait dû l'avoir avec le magasin Mac, quoi. Bon après elle m'a dit qu'il fallait les laver. Donc, les tailles. Elles sont un petit peu sales, mais bon, en même temps, c'est du don, hein, donc on va pas non plus. Attends. Ensuite, nous avons une grosse, donc vous voyez, elles sont un petit peu sales, mais bon, on va les laver. Donc, comme ceci, elle est toute mimi, elle a des petites billes là au fond, donc pour qu'elle puisse tenir. Donc, toute mignonne. Franchement, comme je vous dis, quand c'est un don, on ne va pas se plaindre qu'elles sont sales, qu'elles sont... On prend et on se tait. Voilà, voilà. Ensuite, une troisième, comme ceci, un petit peu plus grande. Donc, toute simple, une Hello Kitty rose. Là aussi, un petit peu sale, mais bon, voilà, on va les laver. Donc, elle est trop contente. Après, dans le lot, qui n'était pas de Hello Kitty, mais bon,
surtout, là aussi, on me le donne, je le prends. Hein. Un petit... lapin. Un petit lapin. Voilà, tout mignon. Un peu comme un doudou, vous voyez là, les doudous d'enfants et tout. Doudou. C'est, d'ailleurs, c'est un bébé... Non, ne le mets pas sous le nez, hein, il faut les laver. Donc, c'est, d'ailleurs, c'était de bébé laboratoire chlorane. Vous voyez, c'est souvent, ouais, avec un parfum, ce genre de peluche. Ensuite, une petite... Alors, celle-là, elle a un poil abîmé au niveau de la baguette magique, là, vous voyez. Mais une petite Hello Kitty fée, voilà. Donc, toute jolie, franchement. Et robe jolie. Enfin, j'étais vraiment robe super jolie. Oui, robe jolie. Et ensuite, une plus grande. Alors, celle-là, elle est vraiment sale. Il va vraiment falloir la laver. Donc, celle-ci, donc, qui est grande, mais qui est molle, parce qu'en fait, c'est un range pyjama. Donc, j'ai trouvé ça super mignon. Et dedans, elle a retrouvé des petits... Louets. De petites figurines. Donc... Celle-ci. Cette petite Hello Kitty. Qui d'ailleurs, je pense, ouais, ça se met sur un crayon. Tiens. Oh, et t'as dit crayon. Un petit poney. Voilà. Oh, il est tout joli. Une autre petite Hello Kitty. Oh, il est tout joli. Ouais, ça, elle est jolie, ouais. Et ensuite, un cupcake Hello Kitty. Voilà. Donc franchement, je vous le conseille, ce site, je le trouve vraiment très bien. Après voilà, hein, chacun voit midi à sa porte, hein, mais moi personnellement, pour l'instant, j'en suis contente, j'ai pas eu de soucis, donc voilà. Ah, tu veux la grosse Hello Kitty. Voilà. Mais écoutez, que dire de plus? Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir une application ou un site. De dons, ça peut toujours aider des fois quand on cherche un meuble ou une petite chose qu'on se dit on va pas forcément l'acheter forcément neuf et que des fois on trouve pas forcément notre bonheur ou même c'est vrai que des fois ils donnent des meubles et ben, des fois on aime bien récupérer un meuble, le faire à sa façon, le customiser, le repeindre, enfin bref, donc n'hésitez pas, il est très très bien. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Emma, regarde la caméra, s'il te plaît. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner donc si ce n'est pas encore le cas. Si vous voulez envoyer donc une petite carte pour Emma, c'est avec plaisir qu'on la recevra et qu'on la lira dans une vidéo. Voilà. Sinon, mais que dire de plus, qu'on vous fait d'énormes bisous et qu'on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.